That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Come on, little fire. Ce qui est bien, c'est qu'on a décomposé la viande. Enfin, à la limite, on n'a pas vraiment besoin de le faire à l'extérieur. C'est un peu con ce que je fais là. Non ? On va cuire quelques trucs, mais pas tout. En fait, c'est vrai parce que si je reste trop à l'intérieur, ça va, on va devenir fou. C'est vrai que ça c'est chiant aussi. Je peux pas cuire grand chose. Il fait trop froid. Ok. Est-ce qu'on peut dessiner? This pack is getting kind of heavy. Okay, cool. On recycle. Tant qu'on a du feu, on recycle à l'extérieur. Je crois qu'il y a un loup hein, qui traîne pas loin. Mais on aurait pu recycler à l'intérieur. Donc en fait, je résume, on aurait pu très bien recycler à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'après il y a le problème de folie, hein, qui s'accumule, tout ça. Mais on aurait pu très bien le faire à l'intérieur. Là, la viande qu'on a faite, c'est bien parce que, en fait, vu qu'elle est déjà... Vu qu'elle est, déjà découpée... Du coup elle va pas pourrir vite parce que vous rappelez que tout pourrit très vite en fait dans les sacs, c'est déjà à 65%. Mais là du coup la viande va rester longtemps bonne une fois qu'elle est découpée, donc ça c'est cool. Et elle a toujours plus de 50%. Donc quand on va la faire cuire, elle va être avoir 50% en plus. Parce que si vous le saviez pas, hein, quand on fait cuire, ça rajoute 50% en fait de l'état. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, mais c'est embêtant parce que du coup vous pouvez pas la manger quand vous voulez, c'est de la découper en premier, de la laisser comme ça en fait crue à l'extérieur. Et une fois qu'elle arrive à 50%, vous la faites cuire, donc ça rajoute encore 50%, donc elle repasse encore à 100%, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça double encore sa longévité, en gros. Mais bon, enfin ça la rajoute, la rallonge de 50% en tout cas. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On en a deux, on va en cuire 3, 4. Juste pour en avoir d'avance. Enfin, si je peux. On va en cuire un peu d'avance. Et nous, je pense qu'on va aller casser des boîtes après à l'intérieur, là. Au barrage. Tout simplement. Et voilà. Parfait.
On va aller casser de la boîte à l'intérieur. On va continuer à manger un peu. Ah, très bien. On va boire. Parce que là, il faut se refaire une santé. Hein. C'est un peu pourri. Hein. Là, il faut se refaire une santé. Le marteau, est-ce qu'on le prend pour casser? Le marteau est à 86%. On va le garder quand même de côté. Je pense qu'on va surtout utiliser la... hache, comme ça on peut la scier. Enfin, non, on peut l'aiguiser, pardon. Je dis que la scier, qu'est-ce que je raconte? Prendre la scie à métaux, juste au cas où. Ah, quoi qu'on peut prendre la scie à la place que la scie, il suffit d'utiliser les outils pour la réparer. Bon, il faut un truc de métal aussi. Ouais, on va récupérer du métal aussi. Métal bois. Métal bois. Et on est très léger, donc ça va. J'ai ma roulette qui marche pas, je sais pas pourquoi. Ça, on va recycler. Alors on va faire ça toute la nuit, une partie de la journée en fait, le plus possible. Et puis après, on va dormir. Eh ben, ça se passe bien. Je veux pas dire, mais... on est bien. Alors... ce qu'on va faire du coup, bah, c'était pas prévu. Alors ça, c'était quelque chose de pas prévu, c'est qu'on va devoir rester ici plus longtemps. Ouais. On va devoir rester ici beaucoup plus longtemps que prévu. On va devoir rester ici au moins le temps de faire sécher la peau. Comme ça, on aura le sac. Alors après, ce qu'on peut faire, oui, on peut partir en bas, mais il faudrait tout trimballer en fait de nouveau. Et ça serait chiant quoi. Ça serait un peu chiant. Donc on va éviter de faire ça. On va attendre. Ouais, on va attendre tranquillement. Ah, j'ai pas pris la hachette. Oh merde. Ouais, on va attendre le temps de que ça sèche et on fait notre deuxième sac. Oh, c'est joli là, comme ça. Oh putain, moins 9. Ah, moins 9. Yes. Cool. Il faut la hachette par contre. C'est bizarre que je l'ai pas prise avec moi. Faudrait aller voir là-bas pour le loup aussi, ce serait bien. Enfin, on n'a pas vraiment besoin, mais bon. La hachette. J'étais sûr de l'avoir sur moi. Quoi, cette merde? Non, je l'ai pas. Hein. Non, j'ai que le couteau. Non, 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 oui, c'est vrai. J'ai pas pris la hachette. Mais elle est où? Putain, c'est ça! J'ai cru que c'est... j'ai cru que c'était un morceau de détritus, en fait. J'étais pas sûr. Ouais, faudra aller là-bas, là, plus tard. Mais... Plus tard. On n'a pas vraiment besoin d'y aller maintenant. Moins 9 degrés. Très bien. On a eu du bois comme ça, c'est rare qu'on puisse le faire, donc profitons-en. Alors, toi, 2 heures. Ah, non, t'es sérieux? Oh la merde. Oh la merde. Oh putain. Oh, chier, on n'a pas eu le temps de la finir. 2h36. J'ai l'impression que maintenant il faut moins de temps, non? Quelle merde. Ok, quitter c'est ici. Alors, à moitié de la nuit, on n'a pas vraiment grand chose à faire. Enfin, on peut pas faire grand chose, c'est surtout ça le problème.
Voilà. Oh. Et on va la faire dormir. Putain, 15%. Je joue, mais tellement avec le feu, quoi. Même un peu trop, en fait. Non, on a pas... Au final, on a vraiment pas récupéré grand-chose. Hein. On a vraiment pas récupéré grand-chose. Quoique, nous, on va la garder, là. Qu'on n'a pas trop de nourriture d'avance en fait. On a quelques steaks encore, ça fait quelques journées. Mais en fait, on est tellement bas en vie, donc ça serait bien de tout simplement rester dans le positif. Mais bon, donc il faut récupérer beaucoup de bois, comme ça on peut faire cuire. On verra. Ça se passe bien pour l'instant. Faut juste faire gaffe en, les allers-retours si on se fait pas choper par un loup, un truc comme ça. Ok. On a récupéré un peu de vie. Il a l'air de faire beau à l'extérieur. On a récupéré un peu de vie. On est à combien? On est à 38%. C'est bien. On a encore 900 et quelques. C'est quoi ça? Ah oui, ta trousse. On a encore 900 et quelques de calories. Donc on peut rester un peu. Moins 22. On a encore 3 steaks. Ok, cool. Alors, je vais juste aller voir là-bas. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait un loup? Non. Peut-être qu'il a disparu, hein, au bout d'un moment. Enseveli sous la neige. Possible, hein. Fort possible. On va prendre des champignons là. Oh. Ok, non. Putain. Quoi cette merde? Pourquoi il y a un loup juste là? Il va falloir le combattre. Ah, il va falloir le combattre lui. Il va falloir le combattre. Faut que je... attendez, c'est où qu'il y avait du métal? Putain, je vois rien. Ferraille. J'essaye d'entasser les choses au même endroit, comme d'habitude. Ah, très bien. On a utilisé un truc de thé, là. Donc, faudrait qu'on puisse en faire d'autres. Voilà, c'est bien. On va se baisser. Et maintenant, je me baisse et j'ai plus... je me baisse et j'ai plus la porte. C'est quoi ce bordel? Pas l'air d'être là maintenant. Tant mieux. C'est un peu bizarre. J'arrive pas à trop comprendre comment il se déplace lui. Mais il est dangereux. Je sais pas s'il est... S'il est en train de camper derrière notre mobilhome ou alors... Ou alors autre part. On va continuer à prendre des petits trucs. En gros, on fait ça jusqu'à ce temps que le jour se lève. Voilà, le jour se lève, on va pouvoir casser des choses. Ouais, allez, on y va. Fait trop froid pour le faire à l'extérieur. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs là. Juste comme ça, mais ça m'étonnerait. Il n'y a rien. Derrière.
Non. Ça se passe super bien. J'avoue que je pensais vraiment pas que on allait trouver un élan et que bon, on est un peu l'avantage du terrain, mais oh putain, on voit que dalle. Ouais, là on a un problème. Attendez, si je m'avance, putain, je peux pas m'avancer comme ça. Bon, quitter, on peut quitter ici. On va faire les champignons. Je pensais pas qu'on allait tomber sur un élan près du barrage. Je pensais peut-être, oui, mais je pensais plutôt vers la forêt autour du lac, en fait. Moi, je pensais plutôt à ça. T'avais été servi, il fait toujours nuit à l'intérieur. Bizarre. On va sortir et re-rentrer, je pense. Et au final, ça s'est bien passé, quoi. Le combat s'est super bien passé. On a perdu quelques flèches, là, depuis le début. Depuis le début qu'on est là, de toute façon, on a perdu quelques flèches. Bon, ça, c'est pas... Hein, c'est obligé, c'est comme ça. Y a un loup, on sait pas où il est passé. L'élan, il nous a absorbé quelques flèches aussi. On a mangé quelques-unes. Donc, voilà. Mais au final, grosso modo, ça s'est bien passé, quoi. Bon, par contre, je vois pas grand-chose. Je voudrais bien trouver une... caisse à casser. Chaise métallique. Non. Table en métal, là. Non. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, ça y est, il commence à faire un peu jour. C'est bon. J'arrive à distinguer. 58 minutes, 1h30. Ouais, 58 minutes. On le fait à la hache. Ça souffle à l'extérieur. J'ai fait une erreur, j'aurais dû prendre un peu à manger avec moi. Attendez, parce que on sait jamais. De loup. Ah tiens, on va peut-être se vider les poches. On va se vider les poches, on va en profiter. Et on va manger aussi. Parce que je voudrais récupérer de la vie. Hein. Le plus possible. Ok. Et prendre de l'eau. On a tous les boyaux ici. Nobody needs this anymore. Qu'est-ce que... Jeune bouleau séché, c'est des fûts de flèche. On va les prendre avec nous. On va déposer le bois. Comme ça, ça nous réchauffe et on va pouvoir sprinter jusqu'au barrage. C'est super tranquille, hein, super tranquille. Ça se passe très bien. On va pouvoir faire les fûts de flèches. Est-ce qu'on a les pointes normalement, hein, on a les pointes sur nous, mais par contre, je pense pas qu'on ait assez de plumes. On a 3. Mais ouais, je pense pas qu'on ait assez de plumes. Ça, c'est quelque chose que je... Ouais, je pense pas qu'on l'ait.
On va aller crafter. Alors c'est bête parce que on a du loup dans le périmètre, on a du cerf aussi parce qu'on a trouvé des carcasses, on a eu de la chance, mais au final on peut pas faire grand chose avec. T'arrêtes d'avoir froid. On peut pas faire grand chose avec ça, le problème. On a juste le pantalon pour le cerf et les bottes. Bon oui, pantalon et les bottes, c'est bien, mais on les a. Le manteau, le loup, c'est que le manteau. Et après, il faudrait de l'ours, en fait. Il faudrait deux trucs d'ours en plus. Mais bon. En tout cas, on va faire la... après, le sac de couchage, je suis un peu dégoûté parce qu'au final, il est pas super utile. Enfin... Ah, il aura son utilité. Je suis sûr qu'il aura son utilité. Je suis sûr que on aura besoin un jour ou l'autre. On va faire des fûts de flèches. Voilà, très bien. On peut faire des flèches simples, on va en faire. Voilà. Très bien. Plus ça nous augmente l'archerie là. Et les derniers fûts. Donc 15, 6 à 100%. Ah non, c'est les fûts ça. 15, 16, 17. Il n'y en a pas d'autres. Non, 17 flèches. Voilà, on est de retour à 17 flèches, c'est pas mal. Voilà, très bien. Bientôt faire nuit. Ah, je suis pas allé là, tiens. Complètement oublié les toilettes. Il y a de l'eau potable en plus. Pas tant de carton. C'est quoi ça? Luminaire, ah. Il faut une hache quoi. Ah, quasi ici. Ah, il nous faut le... Ok, pied de biche. Et des photos. Un tissu. Ah merde, mais je suis pas allé là! Ok. Ok. On retourne à la base. Enfin, on retourne au mobilhome. On prend le pied de biche. On dépose notre bois. Et on prend la lampe. T'es où, saloperie? Ok, t'es nulle part, ça va. Ouais, on va faire ça. On prend la lampe.
Ouais, ça c'est celle qui est abîmée. Ouais, c'est celle qui est abîmée. Là, on dépose ça. Bah là, du coup, c'est un peu farm, en fait. Hein. C'est pas très, très... C'est pas très, très affolant, ce qui se passe. Et pied de biche. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le pied de biche, ça se répare pas. Ça, j'ai peur d'avoir fait une connerie, de pas en avoir pris deux. J'ai vraiment peur d'avoir fait une connerie. On en a 4, 5, je crois. 4 ou 5. Avec de la chance, on en trouvera un autre. Donc, faut vraiment le ménager, hein, ce petit pied de biche. Bon, on n'a pas énormément de fuel non plus, donc va falloir qu'on se bouge un peu les fesses. Ouais, ce serait bien qu'on trouve un pied de biche. Oh la vache! Ok. J'avais légèrement oublié cette partie. Merde. Peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Je dis bien peut-être. Ok. This stuff will come in handy. Pas vraiment, non. Non, ouais, ce qu'il nous faudrait, c'est un pied de biche. Ouais. Là, je demande seulement un pied de biche. Parce qu'au début, je demandais rien. On a un livre. Je demandais rien du tout au début, mais là, je dirais pas non. Là, je suis en train de me dire, j'aurais dû prendre d'autres lampes parce qu'en fait, on a beaucoup à visiter. Quand elle commence à faiblir, faut qu'on se casse. On se casse, parce que sinon, on va plus en y voir. On se casse maintenant. Je dis qu'il faut qu'on se casse et je me casse pas. D'accord, on se casse. Parce que sinon ça va être noir noir. Non, ça va être noir de chez noir. Je vois que dalle, donc je sais pas ce que je viens de faire. Faut qu'on mange, mais on va pas tout manger. Voir. 1000 et quelques, et il nous reste 600 et quelques. Ouais, ok. Faut voir qu'on fasse du feu et qu'on cuise un peu plus de viande là, du coup. Parce qu'on a presque plus rien. Et faut faire de l'eau aussi. On a presque plus rien. Voilà.
Et on vient de se lever et on a énormément de bouffe à manger. Alors, est-ce qu'on peut déjà remourir de faim? 76%. Ok. On va manger quand même ça, on va manger ça. Voilà. Je voudrais bien récupérer de l'eau. Petite qualité, non. Petite qualité. On n'est pas loin de l'eau, normalement. Bouteille d'eau. Ok, 2 litres, c'est bien. On va passer le temps. Ou pas. ou pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est dans ces moments-là que c'est un peu chiant. On sait pas quoi faire. Parce que ben, on a rien à faire en fait. On peut casser ce truc. Ouais. On peut aiguiser notre bordel. On peut faire ça. On a 89. Ça va, ça se passe bien. La hache, elle est où? Elle est là. Mais ouais, va falloir faire des outils en plus, je pense. Comme j'ai dit. Comme j'ai dit, je voudrais quand même vraiment faire des outils en plus. Parce que là, on a eu de la chance, on a trouvé des nouvelles pierres à aiguiser, mais quand on n'en aura plus du tout, quand ça sera rare, il va falloir qu'on fasse plus d'outils. Ce qui est bien, c'est que la pierre, vu qu'on est un très haut niveau, enfin, on est un haut niveau, ça nous remet 55... non, ça nous remet 5%, pardon. Donc du coup, c'est cool. Donc en gros, comme je disais, c'est une pierre aiguisée égale de 0 à 100% quoi, pour une arme. Donc c'est cool. Quoi ce bruit? Il y a trop de bruit à l'extérieur, je rentre. Oula, c'est un peu étrange. Par contre, je voudrais bien que... qu'il fasse jour, vite. Ça fait un peu chier. On peut le faire dans la nuit ou pas? Ça, il fait assez jour, mais juste qu'on voit rien parce que le... Comment ça s'appelle? Le barrage, il est tellement sombre que laisse tomber, quoi. On peut réparer ça? Ouais, on peut réparer ça. Ah, il faut du cuir séché. Ah, ça tue. Ah, les sacs, d'accord. Les sacoches, il faut seulement du cuir séché. Ça, c'est sympa, ça. Ah, ça, c'est sympa. Bon, par contre, le cuir, c'est dur à trouver. Bon, au final, c'est pas super sympa. Ouais, au final, c'est... au final, c'est pas vraiment sympa, quoi. C'est super dur à trouver, le cuir. En fait, on en trouve surtout dans les vêtements, je pense. Genre les chaussures et tout ça. Allez, le soleil. Putain. Ah, ça y est, on commence à voir un peu. Voir si je peux pas casser une merde tant que... qui fait jour, planche. Ok, ça y est. Allez, c'est parti. On est reparti à notre découverte.
Après, il y a le toit. Ok, donc double check, vite fait, vide, c'est bon. Vide. Bon, moi j'arrive à distinguer, hein, si vous voyez pas trop, vous inquiétez pas, mais okay, la porte elle s'ouvre pas. Vous inquiétez pas trop, mais moi j'arrive, ça va. Ok, on a fait tous les trucs, ok. Maintenant le bureau, il reste le bureau. Ok. Espérons de trouver quelque chose au moins dans le bureau, quoi, ce serait cool. This will come in handy. Ouais, bof. bof, t'es bouffé. On va les garder, on les mettra dans le bâtiment, quoi. Ok, on a des livres. Rien de spécial. Beaucoup de livres et beaucoup de journaux, hein. Pas vraiment utile pour nous. Vraiment pas grand chose, hein. C'est quand même un tout petit peu triste. Boîte en carton. I think I can use this. Yes, ça c'est cool. Ça, ok. Ouais. Il suffit des fois de se plaindre un peu. Hein. Ah bah là, mais je vais me plaindre plus souvent, moi. Déjà que j'aime bien. Déjà que je suis assez fan de me plaindre. Donc là c'est bon quoi. Bon par contre il va falloir vraiment faire de la bouffe. Après on a toujours, comme j'ai dit, on a toujours les massettes. Hein. Toujours les massettes. Là, on a assez de vie. Là, maintenant, on peut repartir au système de... On crève de faim la journée, etc. On peut repartir sur ça. Putain, ça gueule dehors, la vache. Ça arrête pas en plus, hein. I would eat anything right now. Et ben voilà, suffisait de se plaindre. Suffisait de se plaindre un tout petit peu. I'm getting weak. C'est quoi ça? Table en métal. Ah oui, c'est toute la table en fait. Okay. Merde. J'ai cru que c'était 1 heure, en fait c'est 1h20, un truc comme ça. Voilà, ça c'est bien. Là on avait checké, voilà, on a tout checké après. Il y a aussi du métal juste au cas où. On peut scier les caisses au lieu de faire la hache. Parce que la scie, ça serait plus intéressant. Comme j'avais dit, ça... Plus intéressant, en fait. On peut pas... J'ai la scie sur moi, on est d'accord, parce que je coupe des trucs en métal, donc j'ai la scie. Des fois, je perds un peu les pédales. Souvent, même. Oui, la scie, elle est là. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est une scie à métaux. Scie à métaux, elle coupe aussi le bois. Hein. Tu vas pas me dire que... Boîtier contrôle cassé en métal... Tu vas pas me dire qu'il faut une scie à bois, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas me dire ça quand même. Donc moi je trouve ça un peu bizarre de... De pas pouvoir le faire avec la scie. Bon enfin, c'est pas grave. Ah, je suis pas souillé là. Mais après ça rendrait la chose plus facile, parce que comme j'ai dit, la scie on peut la réparer très facilement, il faut des caisses à outils. Et après du métal je crois. Donc hop, ce serait beaucoup plus simple que trouver une pierre à aiguiser en fait. Je pense. I'll take it. Tiens, j'ai pas vu ça. Après ça c'est des livres. Ça c'est des livres pourquoi? Le tir à l'arc. Vu ma lunette, attention et puis on dit pour voir parler votre compétence. Mais quelle compétence? Ah, c'est les armes à feu! Ok. Les armes à feu, ça. D'accord. Ouais, bon, on lira les livres d'armes à feu quand on aura une arme à feu, quoi. C'est pas tout de suite, quoi. Là, elle est lente. Oh là là. Ouh, je le ressens là. Alors le problème, si on déplace tout le bois, il faut aller dans le... Parce que là, il a l'air d'avoir un putain de temps de merde. Ah, c'est emmerdant ça. Oh la vache. Ah merde, je suis parce que je suis. Okay. J'ai cru qu'elle était tellement poussée par le vent qu'elle avançait à 2 à l'heure en fait. Ah, ça fait chier. Le problème c'est que j'ai pas envie de me trimballer avec tout plein de viande et tout le bois. J'ai pas envie de faire 50 allers-retours moi. On peut faire le feu dans le barrage, mais c'est loin, vous savez, faut descendre et tout. C'est un peu relou. Ça devient le bordel ici. Hein? C'est tellement le bordel. Man, I'm not sure I can carry much more. Voilà, ça, ça. Ça, c'est tir à l'arc, par contre. Ça me rend fou, ça. Ça me rend littéralement fou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le réparer en plus? Préparer tissu, fourrure d'ours noir séché. Eh bah oui, évidemment, il faut une fourrure noire. Enfin, il faut une fourrure, quoi. Eh oui, parce que merde, quoi. Tellement débile. This pack is getting kind of heavy. Tiens, les moufles, elles ont été... Elles ont baissé aussi. Je suis en train de me dire
Maintenant, je commence à penser à des trucs complètement débiles. Genre, est-ce que ça serait pas mieux de... de laisser le sac à l'extérieur pour qu'il gèle. Peut-être que ça le... Vu que c'est en peau, peut-être que ça le maintiendra. Ça m'énerve. Ça m'énerve un peu. Ça le maintiendra peut-être dans son état. 32, 119. Ok, séché déjà, ça, c'est bien. On va pouvoir soigner si on veut. Allez. Moins 13, très bien. Voilà. Par contre, j'ai pas de petits bois, chier. Ça, on a un peu moins de chance, donc pas grave. On va se débrouiller sans. Enfin, si, du petit bois, oui, mais le vous savez, les brindilles en fait. Les brindilles, c'est 75% de faire du feu, là c'est 55% avec le gros bois directement en fait. C'est pas grave. Maintenant, faut pas qu'il change de sens. Et pour le reste, on va faire plein d'eau. Comme ça, on aura une avance sur l'eau. Je vais juste récupérer une torche. Ou alors j'allume l'autre. Ouais, mais je vais pas pouvoir l'allumer, elle va s'éteindre directement, je crois. Bien joué. Attends, on passe à travers ça. Bon ben ouais. Qu'est-ce que je vous dis, on a bien merdé. On aurait dû le faire à l'intérieur. Ça fait chier. C'est pas grave. On a plein d'allumettes de toute façon. On en a déposé 3 paquets. On est toujours gagnant pour le moment, on est toujours gagnant. Donc c'est pas très 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 grave. Mais ça reste chiant. Qu'est-ce qu'on fait? On dort. Ouais, elle est fatiguée. Par contre, on va pas faire toute l'heure. Ah, c'est chier, j'aurais bien voulu faire de l'eau. On va faire de l'eau. Là. Je pense qu'on va, quand il va faire bon, on va aller au garage. Oh non, au barrage, pas garage.
Et on va... On va aller faire de l'eau. Comme ça on sera tranquille. À moins qu'il fasse très beau, mais ça m'étonnerait. Vu qu'on sera sur place pour casser du bois, ça va être bien. Bon, tout va bien. Je vais peut-être faire des sauts, des bons là, parce que là en fait on est en... Je suis en farm en fait, je suis encore en mode farm où c'est qu'il faut attendre la fourrure d'élan pour qu'elle se termine. Donc à la limite je crois que je vais zapper des trucs, hein. Je vais zapper, désolé encore une fois, mais là ça sert à rien. Là je fais passer des jours là, et pour que la fourrure d'élan soit sèche, il faut au moins 15 jours, un truc comme ça. Donc c'est très long. Je regarde juste un dernier récapitulatif sur ce qu'on a et puis après je coupe, je pense. Pour ce qui est de la map, ouais, on est là. Donc là, on est à Lac Mystère, on est ici, je crois bien. Parce que ça c'est le pont. On est ici, on est exactement ici. Et ce qu'on va faire nous, c'est que je pense qu'on va suivre les rails. Parce que là il y a des wagons. Là c'est où c'est qu'on a trouvé les cadavres, les carcasses et tout ça. Donc là il y a des wagons, donc on va faire les wagons. Et après on va arriver ici, à cet endroit là. Il va avoir la cabane du lac. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc je pense qu'on va se camper là en fait pendant un long moment. Enfin pas tellement, mais en fait faudra faire le tour du lac parce qu'il y a plein de maisons. Et après ça je pense qu'on va passer à Muskeg Morn pour faire les armes en plus, comme je disais, genre les outils en plus, le couteau et la hachette. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Ouais. Ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très bien. Vraiment très content. Mais ouais, mais il faut que je coupe là. Ça devient trop long et ça devient chiant. Même pour moi, je sais même plus quoi dire. Moi, je commence à tourner en rond. Donc c'est pas intéressant là. Il faut que je fasse le sac. Et quand j'aurai fini le sac, hop, on reprend. On reprend ça. Allez, bonne nuit.